Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Il est 7h45 sur Sud Radio et c'est le rappel des titres avec vous, Benjamin. Un drame à Marseille, un mort après une explosion dans un appartement du 6e arrondissement. Une autre personne a été légèrement blessée. L'origine de l'explosion est toujours indéterminée. Vers un réacheminement des passagers indiens bloqués dans la Marne, leur avion avait été immobilisé à Vatry pour des soupçons de traite d'êtres humains. Il devrait pouvoir redécoller ce lundi matin en direction de l'Inde. Vague d'indignation après l'agression d'un maire isérois agressé la semaine dernière lors d'un déplacement en famille dans le Vaucluse. André Mondange, maire de PH de Roussillon, a mis en cause des jeunes nationalistes. Ils auraient tenu des propos racistes. Une enquête judiciaire a été ouverte. Nous recevrons ce maire dans quelques minutes, juste après le journal de 8h. Merci Benjamin. C'est Noël, les cadeaux sont sous le sapin, mais peut-être qu'ils ne pleuront pas à tout le monde. Alors, kit de torchons briquet alors que vous avez arrêté de fumer, ou la fausse carpe affichée au mur qui remue la queue, là, vous savez. Oui. Bref, ouais. Hop, on revend et c'est plus du tout tabou. On reçoit Guillaume Bouterige, fondateur de la plateforme troc-cadeau.com pour nous en parler. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Donc troc-cadeau.com a été créé il y a un peu plus de 10 ans, en 2012. C'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais est-ce qu'il y a déjà des annonces qui traînent un petit peu sur le site, qui ont été mises en ligne depuis hier soir? Alors, vu que c'est en fait les vacances de scolaires commencent hyper tard, là on n'a rien pour le moment sur le site internet. Bon, ça va se faire. En général, il y a pas mal de personnes qui viennent regarder ce qu'il y a déjà à vendre, ou à échanger à partir du 22-23, puisqu'il y a des petits malins qui mettent des choses déjà en première vente, histoire d'eux, puisqu'on est quand même sur un site d'annonce avant tout. Et après, le gros du gros, ouais, ça va arriver entre aujourd'hui, demain et après-demain. Le 25, 26, 27, ça va être les premiers jours où les gens vont s'apercevoir qu'il va y avoir des doublons. Oui, parce que la question des doublons, c'est pas juste le cadeau me plaît pas, quoi. Ouais. Non, pas du tout. En fait, il y a vraiment différents cas de figure. Il y a vraiment beaucoup, le cadeau, effectivement, qui ne plaît pas. On y est tous passés, hein, malgré tout. Donc, au lieu de le laisser dans un placard en train de dormir, il y en a qui vont préférer pouvoir l'échanger. D'où le nom, en fait, troc cadeau. Je peux échanger mon cadeau contre quelque chose qui m'intéresserait plus. Après, malgré tout, on va sur un site d'annonce. Donc, il y a aussi des gens qui vont vouloir le vendre à prix moins cher, hein, bien sûr, que dans le commerce. J'espère, en tout cas. On n'a pas le droit de faire de marge. Ouais. Et comment ça fonctionne très concrètement? Donc vous connectez sur le site, vous pouvez créer un compte ou le faire sans compte, vous déposez votre annonce, vous renseignez différents éléments. On vous propose par exemple de mentionner si le cadeau a été déballé ou pas, si c'est encore sous garantie, combien de fois il a été utilisé, si vous acceptez l'échange, si oui contre quoi, si vous acceptez la remise en main propre. Oui. Puisque avant tout, c'est aussi un site qui, c'est un petit site. Hein. Je suis le créateur de la chose et il y a que moi qui m'en occupe. Hein. Et on est sur quelque chose de proximité en fait. À taille humaine, quoi. C'est ça un peu l'idée. Exactement, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et alors, donc ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est on peut le faire sans avoir de compte. Ça, c'est oui. Vrai que c'est une différence qu'on peut avoir par rapport à d'autres sites. Totalement gratuit aussi. Il n'y a pas forcément, comme on peut voir sur d'autres sites, besoin de payer pour être plus mis en avant que d'autres annonces, quoi. Pas du tout, non. En fait, une fois que l'annonce arrive à sa fin, la personne peut la republier. Si la personne souhaite modifier son annonce, elle peut aussi le faire en ligne directement sans rien payer en plus. Et le seul moyen par lequel je me rétribue, en fait, c'est les publicités qu'ils ont placées sur le site internet. Oui, bien sûr. Ouais, forcément. Ça. C'est quoi les cadeaux que l'on retrouve le plus souvent sur troc-cadeau.com? Donc beaucoup de livres, on va avoir des vêtements, principalement. Après, on a. Bah, moi, ce que je retiens particulièrement, c'est plus les cadeaux qui sont un peu surprenants. Ouais. Exactement. Alors, ça donne quoi? Un costume d'avatar, par exemple. Ah oui, il faut assumer ça. Ouais. J'ai eu une arbalète aussi une année. Ah oui? D'accord. Ouais, donc, un chasseur, je suppose. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Qui a offert à quelqu'un qui n'était vraisemblablement pas un chasseur. Quoi, ouais, c'est ça, ouais. Oui, donc, des cadeaux plutôt surprenants là-dessus. Ouais, exactement. Il y a vraiment de tout, en fait. Et qui trouve preneur, en général, justement, ces cadeaux un peu originaux, quoi? Je vais avoir... Alors, les cadeaux originaux, j'ai pas les données en tête, mais après, pour les cadeaux généraux, on va dire qu'il y a peut-être un cinquième ou un quart qui trouve preneur. Ah oui. Et ça reste en ligne combien de temps, en général, oui?
Là, j'ai changé les données l'an dernier, donc là, je suis repassé sur de l'infini, en fait. Donc la personne qui ne souhaite plus que son annonce soit en ligne peut la supprimer. Après, vu que c'est un petit site qui est événementiel, puisqu'il va fonctionner très bien pendant deux périodes de l'année, en fait. Lesquelles? Donc Noël et... différentes annonces. La Saint-Valentin. Ah oui, c'est vrai. Okay. Ouais. Ah oui, bah oui, effectivement. Je ne m'y attendais pas non plus. Hein. Ouais. Ah oui, non. C'est assez surprenant. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah oui, bah, ouais. on demandera pas à Marie, ou on demandera un peu plus tard. Tu vois. Ça vous est venu comment l'idée de fonder ce site troc-cadeau.com? En fait, à partir de 2009, les médias commencent à parler de l'échange et de la vente plutôt de cadeaux sur Internet, donc ce qui faisait scandale. Après, en me penchant un peu sur la question, je vois aussi qu'il n'y avait pas uniquement que la revente qui était possible, mais que le troc était aussi une solution. Moi, de métier, je suis web designer et intégrateur, donc je fais des sites internet, en fait. Et afin d'acquérir plus d'expérience dans mon domaine, je me suis lancé un petit projet perso à la fin de mes études. Donc c'est juste un site qui m'a permis d'améliorer mes compétences techniques, pour lequel je me suis pas mal investi et que je fais vivre depuis une dizaine d'années maintenant. C'est-à-dire que vous vivez grâce à ce site? Pas du tout. Non? Non, non. D'accord. Je fais vivre le site, je m'en occupe à deux, trois fois dans l'année. Bénévolement presque, ouais. Bah ouais, c'est ça en fait. Il se rembourse tout seul au niveau des différents frais grâce à la pub. Sinon, le rêve de pouvoir rembourser mon crédit de maison est passé. Oui. En ce qui concerne, c'est vrai, vous le disiez, on avait un tabou très clairement il y a quelques années de ça autour de la question de la revente des cadeaux, ou le troc en l'occurrence en ce qui vous concerne. C'est un tabou qui est en train de sauter, vous le ressentez vous-même? Moi, ça fait 3-4 ans où c'est passé, c'est pas devenu commun, mais c'est moins pointé du doigt que ça l'était avant. Puisqu'on a vraiment cette notion d'échange qui est possible. Quand on parle de cadeau et qu'on dit qu'on va le revendre, c'est sûr que c'est mal vu directement. Après, quand on donne la raison pour laquelle on souhaite le faire, là, ça peut être compréhensible. Je l'ai en double, ça me plaît vraiment pas, c'est pas dans mes goûts, ou la taille n'est pas bonne et t'as pas le ticket de caisse. Je vais pas garder, par exemple, un pantalon qui fait deux tailles de plus que le mien, juste pour faire plaisir à la personne. Même la personne, en face, le comprendra, ça. Oui, d'ailleurs, il y avait une étude en 2022, il y a 18% des Français qui étaient prêts à revendre leurs cadeaux. C'est énorme, hein, 18%. Ouais, c'est pas mal, par contre. Surtout que ça progresse, quoi. C'est un chiffre, effectivement, qui est en augmentation. Et les annonceurs expliquent un petit peu les raisons. Vous en parliez tout à l'heure de ces raisons, les motivations qui font que, ils vont publier cette annonce ou proposer tel ou tel objet en troc. Il y a pas mal de doublons. Ouais. Ça va être la raison numéro 1. Mais donc, ça veut dire qu'ils l'affichent très clairement. Ils expliquent pourquoi ils ont décidé de troquer l'objet qu'ils mettent sur cette annonce, quoi. Ouais, troquer ou revendre, puisque le nom troc cadeau, enfin le troc, ça reste un prétexte malgré tout. Hein. On est sur un site d'annonce, il y a beaucoup plus de ventes que de troc. D'accord. Mais le premier, ça va être le doublon, et ça, les gens le mettent clairement, en fait. Ouais. Et d'une certaine manière, ça rassure aussi le futur acquéreur. Pourquoi est-ce que la personne ne veut plus de ce cadeau? Elle l'a en double, donc j'ai moins l'impression que ça va être une arnaque, par exemple. On a des cadeaux vraiment importants, des gros cadeaux, peut-être assez chers. Ça arrive Alors, sur ces annonces. Tout ce qui est trop cher et tout ce qui n'est pas à la portée du commun des mortels, je le supprime directement. Donc on ne retrouvera jamais, par exemple, une moto, une voiture ou un appartement. On est vraiment dans des choses que l'on peut s'acheter sur entre guillemets un coup de tête. Les éléments les plus chers que je vais avoir, ça peut être de la console de jeux vidéo, par exemple. Oui, d'accord. Et vous, Guillaume, vous avez déjà... On est entre nous, hein. Vous avez déjà revendu ou pas des cadeaux que vous avez reçus? Alors, un cadeau que j'ai reçu, non. Par contre, des cadeaux que je me suis fait, oui. J'ai eu la bonne idée d'acheter, il y a quelques années, un jean en velours. Ouais. En fait, non. Ouais. Ouais, je vous l'aurais dit avant. Hein. Ouais, je sais. J'aurais dû vous appeler. Bon, Guillaume Bouterich, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, donc fondateur de cette plateforme troc-cadeau au pluriel .com pour troquer ou vendre des cadeaux dont on veut qu'on a en double, effectivement, ou qui nous plaisent pas forcément trop. Guillaume, un grand merci d'avoir été Guillaume. Avec nous ce matin sur Sud Radio et passé de très belles fêtes. Merci. Merci à vous, de belles fêtes aussi. Au revoir.